Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Python, un langage de programmation polyvalent et convivial. Python est réputé pour sa lisibilité, sa simplicité syntaxique et sa polyvalence. Que vous soyez débutant ou expert, Python vous offrira une excellente expérience de programmation. De l'analyse de données au développement web, en passant par l'intelligence artificielle, Python est utilisé dans de nombreux domaines. Sa vaste communauté et la multitude de ses modules ont fait un choix de prédilection pour des projets de toute taille. Alors, préparez-vous à explorer les bases de Python en découvrant de quel type de langage de programmation il s'agit et comment il se positionne face à d'autres langages de programmation aussi populaires que JavaScript ou encore Java. Et par la suite, nous verrons comment le télécharger, comment l'installer et comment le configurer convenablement pour l'utiliser en toute facilité. Alors, si vous êtes débutant dans le monde de la programmation, encore vous ne connaissez tout simplement pas le langage Python, ne vous inquiétez pas, nous allons décortiquer de façon simple ce qu'est le langage de programmation Python. Déjà pour commencer, Python est un langage interprété. Cela veut dire simplement que Python ne nécessite pas une compilation préalable pour pouvoir exécuter le code qui a été programmé. À la différence de Java qui est compilé ou encore, pour être plus exact, précompilé, les performances de Python pourront dans certains cas être moindres et donc cela pourra être pénalisant dans un certain type de projet tels que les programmes à temps réel ou certains types de jeux vidéo qu'on voudra programmer nécessiteront d'avoir des très bons temps de réponse. Mais par contre, Python dispose de beaucoup d'autres avantages que, tel que je venais de le mentionner, sa communauté, une communauté très dynamique, et également la richesse de sa bibliothèque. Aujourd'hui, Python s'affirme ou se positionne comme le langage de prédilection dans tout ce qui concerne l'analyse de données et l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, quand vous vous intéressez à de tels domaines, le langage de prédilection serait Python. Et JavaScript est aussi interprété comme Python. Donc, en termes de performance, les deux peuvent se rapprocher. Python avec un léger avantage parce qu'il disposant d'un véritable environnement d'exécution, à la différence de JavaScript qui, lui, a été conçu pour être prioritairement utilisé dans des navigateurs. Donc, vous voyez que chaque langage dispose de son domaine de prédilection et donc facilement vous pourrez choisir selon le type de projet que vous voulez faire et même les coupler parce qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un langage comme la plupart des gens pensent dans la majorité des cas où on vous présente la liste des meilleurs langages de programmation. En fait, il n'y a pas de vrai meilleur langage de programmation. Tout est question de contexte, tout est question de type de projet que nous allons réaliser, tout est question de ce que nous voulons faire au final. Mais pour un premier temps, Python est un langage très simple à apprendre et donc très intéressant pour tous ceux qui débutent, tous ceux qui démarrent dans la programmation, pour avoir facilement le pied à l'étrier. Il vaudrait mieux avoir un langage simple que vous allez maîtriser et ensuite, dans certains cas seulement, se pencher vers des langages spécifiques par rapport à certains types de projets. Donc, en général, Python est un très bon choix pour démarrer et vous permettra facilement d'arriver à des résultats satisfaisants, à la différence de Java que je venais de mentionner tout à l'heure, qui est très difficile d'accès. Tout est objet en Java et pour démarrer ne serait-ce qu'un premier programme nécessiterait de bien comprendre les concepts de la programmation orientée objet afin de pouvoir manipuler les objets, alors que Java peut être utilisé pour du scripting aussi simplement que possible. Et ensuite, quand on voudra peut-être faire une conception plus aboutie, on pourra faire appel aux notions de la programmation orientée objet, car Python l'est également. Donc, vous voyez que Python est assez flexible, Python est assez polyvalent et très, très, très utilisé dans le domaine de l'analyse de données, dans le domaine du développement web et spécialement pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est le langage de prédilection. Nous allons maintenant aborder dans la suite comment le télécharger et voir comment l'installer et le configurer. Une fois qu'on aura ouvert le navigateur sur la barre d'adresse, nous allons taper l'adresse python.org. Nous arrivons tout de suite sur le site qui héberge Python. Et sur ce site, nous allons dans l'onglet Download. Et dans l'onglet Download,
Voyez, comme je suis sur Windows, le site a tout de suite détecté que j'étais sur Windows. Il me propose de télécharger la version adaptée à mon système. Donc, je clique directement sur la dernière version qui est ici. On enregistre pour le téléchargement. On patiente juste un peu. Et à la fin du téléchargement, nous allons lancer son installation. Mais au moment que Python se télécharge, nous allons en profiter également pour télécharger l'éditeur de code sur lequel nous allons travailler. Donc, l'un des outils les plus populaires utilisés à ce jour, c'est VS Code, Visual Studio Code. Donc, je vais ici prendre toujours la version Windows. Et à côté de VS Code, pour ceux qui vont se lancer dans des grands projets, nous le verrons peut-être par la suite. Quand nous allons attaquer des projets assez vastes, pour des besoins de refactoring, pour des besoins de bien suivre son code, ce serait difficile de se contenter d'un éditeur de code. À ce moment-là, on va se pencher vers un IDE. Et l'IDE que je recommanderais d'utiliser, c'est l'IDE de JetBrains, c'est-à-dire PyCharm. Sur Google, en tapant PyCharm, on prend le premier lien qui nous conduit sur le site de JetBrains sur lequel nous pourrons télécharger cet environnement de développement intégré. Et ça, c'est vraiment très important d'utiliser ce genre d'outils quand nous faisons des grands projets parce que ça nous offre beaucoup de flexibilité. Ça, vous allez le voir, je vais commencer avec l'éditeur de code pour que vous compreniez ce qui se passe en arrière-plan. Mais une fois que cela est compris, ça ne servira à rien de revenir sur des choses routinières, c'est-à-dire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, ce serait à ce moment important de passer le cap est de venir travailler avec de tels outils parce que ça représente un énorme gain en termes d'efficience, en termes de performance. Donc moi, je vais télécharger la version community de cette IDE et nous allons par la suite voir comment l'utiliser. Donc j'enregistre également cette version. Donc, je peux déjà lancer l'installation de Python. Pour un premier temps, nous allons faire une installation de base. Maintenant que notre installation vient de se terminer proprement, nous allons ouvrir l'invite de commande en appuyant simultanément sur les touches Windows plus R, puis nous tapons la commande CMD pour commande, entrée. Nous avons l'invite de commande qui s'ouvre et dans l'invite de commande, nous allons taper la commande Python pour avoir accès directement à l'interpréteur Python. Donc là, l'invite de commande nous donne accès à l'interpréteur Python. Dans ce cas, nous allons essayer des commandes de base ou encore des instructions de base pour voir comment Python fonctionne. Nous pouvons faire 5 plus 2 et le résultat c'est bien 7. Donc quand nous faisons par exemple l'impression print beauté et nous voyons que tout fonctionne correctement. Donc là, nous pouvons à présent utiliser Python en continuant dans la vue de commande telle que nous le faisons déjà. Mais pour profiter pleinement de la puissance de Python, nous allons commencer par fermer l'invite de commande avec la commande exit et ensuite nous allons ouvrir l'éditeur de code VS Code avec la commande code. Là nous avons accès à l'éditeur de code. Nous allons ouvrir un nouveau fichier, mais avant, vous voyez que ça c'est l'interface de VS Code. Là nous avons directement accès à l'explorateur de dossiers et de fichiers. Comme nous n'avons encore ouvert aucun fichier ni aucun dossier, il n'y a rien qui s'affiche. Là, nous avons la barre de recherche. Là, nous avons accès au gestionnaire de source code. Là, nous avons à l'outil de débugage. Et ici, très important, les extensions VS Code. Nous allons taper le mot-clé Python. Normalement, une liste d'extensions va s'afficher. Vous voyez, moi, je l'ai déjà fait, mais assurez-vous au moins que cette extension ici, PyLance de Microsoft, vous voyez qu'il y a plus de 100 000 téléchargements. Donc, c'est l'extension que je recommande le plus dans VS Code pour coder avec Python. C'est vrai qu'il y en aura d'autres qu'on pourra ajouter au fur et à mesure des besoins. Mais pour l'instant, je pense qu'avec ce plugin suffira largement pour commencer à travailler avec Python. Moi, je l'ai déjà fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ici, vous allez trouver le bouton installer et activer. Donc, vous pourrez directement cliquer dessus pour installer. Vous voyez les fonctionnalités qu'offre ce
Ces plugins sont listés ici, mais de façon résumée, vous voyez ici, vous pouvez lire un peu plus bas en installant ce plugin, ce que vous aurez, vous pourrez avoir accès directement au choix de l'interpréteur Python sur la barre de statut. Vous pouvez, entre autres, lancer finement l'outil de débugage. Vous pourrez, là par exemple, lancer des tests et bien d'autres fonctionnalités. Donc, moi je recommande bien cette extension. Une fois que l'extension est bien installée, vous pouvez fermer et revenir au niveau de l'explorateur. Vous pouvez créer un fichier, parce que un projet, en général un projet en développement, c'est quoi? C'est un ensemble de dossiers structurés d'une certaine manière, si on en aura beaucoup, et puis des fichiers qui seront stockés. Donc nous allons ouvrir un fichier, soit avec le menu Files, ici pour avoir un fichier texte. Donc là, nous sélectionnons le langage, on va prendre Python. Une fois qu'on a sélectionné le langage, on va tout de suite enregistrer. Moi, j'enregistre dans mes projets et je donne un nom. Donc le fichier doit avoir une extension .py. Avec l'éditeur de code, vous allez jusqu'à voir l'extension des fichiers qui vont être utilisés. Alors que avec un IDE, il y a certaines étapes qui seront masquées pour des besoins de productivité, ce qui est normal. Mais pour celui qui démarre, c'est important de comprendre un fichier qui va être exécuté par l'interpréteur Python doit avoir une extension .py pour Python. Donc là, nous allons dire fichier .py, j'enregistre. Vous voyez, automatiquement, on a le fichier .py stocké dans mes projets. Là, on va faire la même chose. On va faire l'impression de 5 plus 2. Et ensuite, on va aussi imprimer ou encore afficher l'expression en beauté, comme on l'a fait avec l'interpréteur tout à l'heure en ligne de commande. J'enregistre. Donc, deux possibilités. Je peux soit repartir sur la ligne de commande en me positionnant le disque, le volume D, dans le dossier où se trouvent mes projets. Voyez, et de là, je vais faire lancer l'exécution du fichier.python grâce à la commande Python. Voyez, là, j'ai le résultat en ligne de commande. Mais comme nous avons un éditeur de code qui est assez évolué, VS Code, nous pourrons faire cela directement depuis l'éditeur de code. Donc, je reviens ici au niveau de l'explorateur. Ici, je peux ajouter ou ouvrir le dossier de tout à l'heure. Voyez, là, j'ai directement mon petit projet. Voyez, j'ai ouvert rien que le dossier directement ici. VS Code considère cela comme un projet. Donc, je peux faire comme tout à l'heure, créer un dossier dans mon système d'exploitation, y mettre un fichier puis exécuter directement depuis l'invite de commande, tout comme je peux gérer depuis mon éditeur de code tout ce process là au niveau de VS Code. Je vais faire la commande contrôle pourcentage, je fais apparaître automatiquement cet onglet là. Je peux choisir ici commande prompt pour invite de commande et puis enlever PowerShell qui vient par défaut. Donc là, de la même manière, je vais faire Python fichier. Voyez, j'ai grâce à VS Code le suivi de mon projet. Je peux créer des sous-dossiers, je peux créer plein de structures de dossiers différentes et y placer plusieurs fichiers, avoir une vue directement sur le code que j'édite et aussi avoir la main directement sur l'exécution, le débugage et plein d'autres choses. Donc vous voyez que VS Code déjà offre un environnement assez convivial et très pratique pour travailler, mais nous allons voir que quand plus le projet devient complexe, même VS Code va atteindre ses limites. À ce moment-là, il faudrait switcher sur des outils plus performants tels que PyCharm dont j'ai parlé précédemment. Donc vous voyez que tout va dépendre de la taille de projet que vous menez. Si c'est juste pour scripter quelques lignes de code, VS Code va suffire largement. Et même sur des projets de taille intermédiaire, VS Code va
satisfaire, mais quand il va s'agir de projets de très grande taille, mettre en place un SaaS, ainsi de suite, mais vous allez vous rendre compte que, et à ce moment-là, il faudrait peut-être travailler en équipe, avoir des outils de refactoring avancés, plein d'autres choses que VS Code ne supporte pas vraiment très bien. Donc, à ce moment-là, moi, je recommande de switcher sur quelque chose comme PyCharm. Mais pour l'instant, comme on est au début, je pense qu'avec VS Code, cela couvrira 80% des cas d'utilisation. Merci pour votre attention, de ce que vous avez pu suivre cette vidéo jusqu'au bout. Dans la suite, nous allons voir comment concrètement utiliser Python dans le cadre d'un petit projet pour déjà vous aider à voir ce que vous pourrez faire et essayer de combiner l'essentiel des connaissances de base de Python dans une seule vidéo qui vous permettra à la fin d'avoir déjà un résultat qui pourra booster votre motivation. Merci et prochainement.